pas de pièce spéciale, il n'y a rien, ce n'est pas un truc. C'est simplement l'énergie qui va traverser son corps et exprimer sur le papier des choses merveilleuses que nous allons découvrir l'un et l'autre dans une approche de sensibilité différente pour chacun. Alors, voilà. En fait, je prends les trois couleurs. C'est parti. Je prends les trois couleurs primaires, mais enfin, bon, elles ne sont pas tout à fait primaires. Elles sont trafiquées, bleu, jaune et rouge. Avec ça, on peut... toutes les nuances de la nature, toutes les couleurs. Là, je pars comme ça. Là. 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 La première des choses, c'est d'être là, hein, bien présent. Mettre la main et regarder déjà ce que donnent les couleurs entre elles. Le mariage des couleurs entre elles. Voilà, déjà, avec là, si on regarde bien, il y a déjà toute la vie. Les couleurs. La première des choses, hein, si je fais ça, c'est un jeu d'enfant. Hein. Là, tac, je suis la main, et puis je peux commencer les mouvements. Voilà, comme celui-ci, et la monite. Je suis, je repars. Je tourne un peu. Je peux faire celui-ci. Voilà. En fait, le but, c'est de trouver l'harmonie entre les mouvements, la forme et la couleur. Voilà. Voilà. Là. Je peux faire le bambou. La lumière, la vie, tout simplement. Attends, n'efface pas, s'il te plaît. Vous avez vu le perroquet qui est là? Ah. Oui. En plus, il y a des choses qui apparaissent comme ça. Avant que tu commences, il y avait un escadron, une tortue qui était à l'entrée. Il a fallu te laisser commencer. Mais celui-là, il est magnifique. Parce qu'il sort de la zone rouge d'énergie. C'est vrai que quand on fait des mouvements, comme ça, on ne sait pas ce qui apparaît ou disparaît. Et c'est petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a des choses. Alors, quand je vois ça, un tableau, il apparaît un animal, un végétal, quelque chose, hop, je le prends et je le tourne, je le travaille de façon à ce que ça fasse une toile, une création. Alors, je repars juste un peu, mon produit neutre, c'est un produit naturel aussi sans agrumes. Je mélange, comme ça. Alors, on va perdre un peu les couleurs, mais c'est pas grave. Mais. Il y a toujours une question de lumière dedans. Hop, je peux m'amuser à faire des cellules dedans, là, comme ça. Voilà. Je peux repartir en faisant des mouvements comme ça. Voilà. Voilà, juste des petits points, comme ça. Voilà, mieux encore. Voilà. Un tableau qui naît, on peut faire celui-ci aussi. Les plantes, le végétal, c'est le monde de la nature qui se révèle en peinture. Oh, c'est joli ça. Et attends, avant ça, attends. Et ici, tu as l'entrée de l'estomac qui se trouve là. D'accord. Et de toute façon, oui, après, voilà. Donner des idées. Après, il y a un personnage dans le sens, si tu le tournes tout à fait, regarde. Ah, il est même là, regarde ton gros personnage là qui rigole, il est monstre. Il est énorme avec son gros dodo. Ah oui, oui, oui. Hop, il est on sublime. Part sur autre chose. Il y en a mille, je crois. C'est ça qui est génial. Alors, on ne vous a pas dit, mais vous allez devoir serrer la main de l'artiste dès qu'il a fini la toile. Fais-moi des tresses, qu'elle me dit. Fais-moi des tresses. Hop, je peux remettre de la couleur. On va partir sur du vert.
vas jongler le verre. Hop, je mélange. Ah, ça va plus, c'est un verre super. Ah ouais. Donc je pars. Ça y est, me voilà. C'est la main et le souffle. Alors le souffle. J'utilise beaucoup de papier. Je repars. Ce sera vraiment liquide. Là, on va faire des trucs super parce qu'on peut, ouais, on peut faire ça. Hein. On peut refaire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Puis on peut faire, je sais pas, ça. Mais là, de bon matin, j'ai pas la forme. Ah ben heureusement. Donc on peut faire dans le côté ludique et de création, très très simple en fait. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui est né, qui est vivant. Après je peux mettre encore un petit peu. Bambou, histoire de. Voilà. Ça peut être très régulier. Voilà. Ah ouais, c'est bien. C'est le jeu. Mais bon, voilà. Bonjour.